Bonjour, je m'appelle Nikita Chivakin, je vais au lycée de français de San Francisco, je suis en terminale ES et je prends l'option d'art. Pour cette présentation de la semaine de la EFE, je me suis inspiré de certains aspects de l'œuvre de Bill Viola, tels par exemple la dimension sonore, ainsi que l'expérimentation avec la vidéo et les matériaux. Donc le procès a eu trois étapes pour moi. Premièrement, la plus importante, c'est l'expérimentation. Pendant plusieurs cours, j'ai pris mon enceinte et l'amplificateur et j'y ai mis presque toutes les choses que j'ai pu trouver dans la salle d'art, que ce soit de la peinture, de l'eau, de la terre trouvée d'or ou bien du papier d'aluminium découpé. En tout cas, j'ai essayé de tout. Après cela, il me fallait tout ça prendre en vidéo. Pour cela, j'ai décidé de prendre une caméra de haute performance. Comme ça, j'aurai une meilleure qualité et la possibilité de jouer avec la vitesse de la vidéo sans nuire à la qualité en elle-même. Finalement, il faut tout monter cela. Et il faut jouer avec les concepts et les idées de Bill Viola, tels le ralentissement et tel le ralentissement de la vidéo, ainsi que l'inversion. Je ferai cela pour atteindre des effets spéciaux ainsi que des illusions pour le spectateur.